Baptiste Bacac est très heureuse de vous accueillir aujourd'hui à l'Université Nice Sophia Antipolis pour cette journée consacrée aux enjeux pratiques et services liés à la données de la recherche. En effet, dans nos jours, la thématique des données de la recherche est à l'origine de beaucoup de discussions entre universitaires, bibliothécaires, administrateurs d'université, éditeurs scientifiques et même politiciens. Dans le programme cadre Horizon H2020, la Commission européenne poursuit sa politique en faveur du libre accès. À cet effet, elle a pris des mesures et émis des recommandations concourant à rendre librement accessibles les publications et les données issues des recherches financées par le programme H2020. C'est dans cette dynamique que s'inscrit l'intérêt de l'URFIST pour cette thématique. Notre objectif aujourd'hui est de réunir tous les acteurs des données de la recherche, producteurs, chercheurs, gestionnaires, utilisateurs, hébergeurs, pour mieux cerner cette notion et ainsi permettre aux acteurs de la communauté académique d'appréhender la gestion et le partage des données de la recherche. Notre journée sera divisée en deux temps. La matinée sera consacrée au panorama des données de la recherche. Et l'après-midi sera quant à elle consacrée aux services et ressources liés aux données de la recherche. Je voudrais vous remercier de votre présence et remercier Florence Garilli du service des pédagogies innovantes de l'université qui assure la captation vidéo. Ces vidéos vont être mises en ligne sur la chaîne YouTube et la chaîne UNSPOT. Et voilà. Et cette journée est aussi transmise via Periscope sur la chaîne d'Oranum. Et je voulais remercier Viette Janot, qui est en bas encore, qui s'occupe de l'accueil, qui est ingénieure pédagogique à l'URFIST. Et j'aimerais enfin surtout remercier Gabriel Galezo et Michel Roland pour la confiance qu'ils m'ont accordée pour l'organisation de cette journée. Je vais laisser la parole à Gabriel pour les enjeux des données de la recherche. Et je vous remercie encore.